Problème raté carburant ça sur marché national là, gain gros répercussions négatives sous chauffeur taxi moto à camionnette gasoline qui pas qu'à joindre produit ça depuis quelques jours, ça qui fait que en pile nan yo déjà campé véhicule yo y a tant situation hein, régularisée. Cependant, gain quelques autres chauffeurs transport public qui prend plaisir acheter nan meti machin k'ap vann gaz bon la yo en pile nan yo perdu moteur véhicule yo à cause vie gaz mélangé yo acheté à 1000 goud alors que prix normal là nan pompe yo c'est 250 goud. Si par hasard ou ta joine yon pompe à essence qui a distribué gaz, eh bien c'est gros bataille, c'est coup de poing k'ap voye nèg yo ap goumè entre yo parce que situation compliquée yo n'a bat wè si c'est yo qui ta joine yon ti gaz. Yo responsable bureau monétisation programme aide ak développement BMPAD fait qu'on est crise carburant ça sur marché local là gen rapport ak insécurité qui établi nan direction sud entre Port-au-Prince zone Matissan ak Fontamara nek armé acheté l'agent comptant d'après 4 BMPAD là c'est la police qui pou assumer responsabilité pour rétablir l'ordre ak sécurité pour chauffeur camion transport gasoline circuler libre et libre pour pompe essentielle capable alimenter comme ça doit. Mais il y a un pile observateur qui démentit BMPAD le fait que c'est tout pays qui a un problème crise gaz ça, une crise qui provoquait la vie chère côté prix coût taxi ak automobile yo déjà augmenté sans oublier prix produit première nécessité yo tant coût du riz, sucre, farine, l'huile pour citer ça seulement augmenter tout et on connaît climat est déjà malouk sous dos peuple haïtien qui était déjà à baigner dans la misère. Non pas monsieur Renan Toussaint pour la voix. C'est pour ça aujourd'hui hein, mandé communauté internationale là qui était supporté problème ça de 2004 pour arriver jusqu'en 2017. M'vrai clair pour tout le monde dit que me dit c'est pour dame dit non c'est pas lui me dit. Moi dit communauté internationale là. Engagement qui pour prendre ensemble avec la police nationale qui aujourd'hui a nous une police nationale qui gagne près de 15 000 moun la donne. Engagement qui pour prendre avec autorité établie pour nous capables gens nous te commencer faire dans mois mars et gain résultat nous commencer joindre par exemple dans importation munitions dans pays gens nous te demander que zami nous pays les États-Unis aider nous pour nous chaque temps nous qui un bon municipal qui avec balle, avec zam, non, ça que li importe, pour permettre nous capables de remonter filière moun sa jusqu'à côté moun qui te mette dans le conteneur. Ça a commencé par résultat. Faut me dire que zafè munition, li commencé à venir plus difficile pour bandi rejoindre nous. Et faut continuer sous la ça. Moun qui comprennent qu'ils n'ont commerce munitions dans le pays. C'est pour que la police, lui-même, tout service, nous mettons ensemble, nous font seul qui pour permettre que nous arrivions sur eux. Pour gens, nous connaissons des gens qui sont en prison. Nous entendons des rumeurs, parce que même si c'est des rumeurs que vous voyez, parce que jusqu'à présent, comme président, nous ne pouvons recevoir un document formel. Ni une liste qui dit, même nous avons des armes dans le pays, même nous avons des munitions dans le pays. Mandez ministre de justice, s'il vous plaît. Il dit non, juste, il n'y a pas de souverain. Il m'entendait ça, il parlé dans la radio. C'est pour me dire tout le monde aujourd'hui, nous-mêmes, nous ne parlons pas de circuler à personne qui n'a pas d'insécurité, à violence en notre pays. Il y a côté plusieurs milliers de monde continuent à vivre dans l'abri provisoire après les membres de groupe armé appliqués pour contrôle territoire. Président Jovenel Moïse a demandé aux autorités concernées pour travailler avec objectif pour permettre aux monde qui cherchent refuge de l'autre côté pour que ça retourne à la caille. Nous pas qu'à camper pour nous garder les bandits qui prennent le pays. Les gens qui déplacent, nous avons presque plus de 3000 personnes qui déplacent dans la zone Matissan. Qui n'en cafou. Nous avons plus de 2 milliers de monde qui déplacés qui dans la zone Delma, bas Delma. M'a demandé protection civile, FAES, premier ministre qui l'a, jeudi, dimanche, nan même, pour une réunion d'urgence qui fait pour que moun sa yo, nous pas quitter côté yo et attendre des petits mis sans gado. PM, faut nous réunir avec moun yo, ministre affaires sociales là, rapidement,
pour nous pour faire une réunion, pour nous équiper une bonne manière, pour nous venir en support à Mounsayo. Mais Mounsayo m'a dit, l'État n'a pas campé garder, la police a travaillé pour retourner la caillou. Parce que pas de personne qui a campé pour mettre au dehors. Parce que bandit, je nous dis là, la vie bandit, c'est coûte que ça dure. Je dis à 4 ans, 4 mois, sous pouvoir, nous sommes cités avec nous, 5 têtes de série. Et vous mettez sur la 2e division, tout ou la 3e division. Mais ça, c'est tête de série. Il n'y a pas là. Mais ou même, je dis à ce point, ou prend place tête de série, ou parle pas là tout. Même j'avais ça pas là de 2017 à aujourd'hui. Ou parle pas là. Et là, pas là. Ce n'est pas bien que la main dit. Parce que nous, c'est haïtiens, c'est pour ça que nous mettons CNDD à sous pied. Pour nous connaître, pour nous suspendre, pour que nous avec la police qui se force légale, pays à rien. Depuis ce sous chemin, ça nous est, nous prenons route pour nous parler. Et nous ne pas là. Bon, nous avons garanti. Dans l'autre nouvelle, individu n'a pas identifié, mais il dit que dans un camp, dans un quartier, dans la capitale là, Port-au-Prince, côté plusieurs handicapés à vivre. Peuple souverain, il a côté passé plusieurs jours à piller des pots mangés dans un quartier. Force de radio pas intervenu pour empêcher pillage ça à continuer. La police annoncé, il a cherché Negame qui tatoué un policier dans le commencement week-end. L'autre côté, pays d'Haïti sous deuxième semaine ni, depuis il a fait face avec une crise carburant, côté véhicule qui boulait, gasoline, qui pas qu'à fonctionner, y a un problème qui déjà a une conséquence négative sur le coût de la vie. Y a un reportage. Mais y a un extrait d'un message chef gouvernement haïtien, M. Joseph, te mette devant Conseil sécuritaire. Monsieur le Président Conseil là, ambassadeur, mesdames, messieurs, pour commencer, moi t'avais remercier Conseil sécuritaire pour intérêt toujours montré pour développement positif situation économique, politique, sociale et situation sécuritaire en Haïti. Réunion jeudi a une importance particulière parce que l'a déroulé non moment côté République d'Haïti, pays non trouvé non cas fou critique. À la vérité, depuis plus passé 2 ans, pays a traversé une situation sociopolitique très difficile et ça caractérise li, c'est une série de tentatives répétées pour déstabiliser situation. Mettez sous destruction l'ordre public là. Et tout ça, c'est action quelques segments d'opposition qui a fait effort pour aussi mailler des ordres et instabilité dans le pays. J'ai profité de l'opportunité ça pour me communiquer nous ferme engagement président haïtien, son excellence Jovenel Moïse, pour faire tout effort pour établir un climat la paix à travers dialogue et pour travailler ensemble avec toute force concernée, sans oublier parti politique avec ONG. Pendant qu'on attend pour l'opposition embrasser le dialogue finalement et puis travailler ensemble avec nous, ça qui représente le seul moyen pour nous arriver à sortir dans l'impasse politique, ça, pouvoir exécutif là, accomplir responsabilité vis-à-vis du peuple IA. Il prend engagement pour réaliser élection dans tout niveau dans fin d'année, une façon pour le renouveler personnel politique là, rétablir fonctionnement toute institution démocratique, et puis garantie transfert pouvoir à un président démocratiquement élu dans date 7 février année prochaine. Referendum, scheduled to take referendum. Chef bureau intégré de l'ONU en Haïti, Hélène Lalime, présenté un tableau sombre climat général là en Haïti, surtout dans la capitale, la Port-au-Prince, côté gang armé a occupé plus terrain chaque jour et yo vini pi actif depuis quelques mois déjà. D'après lui, dans le moment autorité yo a concentré effort yo sur référendum constitutionnel là, yo pas dû négliger travail qui nécessaire pour organiser élection à tout niveau avant fin année 2021. A resurgence in intergang violence has caused the displacement of hundreds of families. Zak violence qui recommençait en gang rival, obligeait plusieurs centaines de familles déplacées, quitter Kayo dans pile quartier pauvre Port-au-Prince pour y aller vivre l'autre côté. Et ça vient renforcer un sentiment que l'insécurité a ablahi sur la société haïtienne. Finalement,
malgré en pile effort médiation qui te gagne haïtien en tête yo, crise politique là qui gagne bon genre racine et qui enveloppe pays à depuis pif fois dans période 4 ans passé yo, pas ben signe qui t'a montré l'a diminué. Pati en face yo, pas semblé yo prête pour joindre un accord politique. Même si autorité nationale yo, a cherché élargir cadre yon entente sous nécessité yon nouveau constitution, pour un pile parti concerné, processus l'assemblée le manquer inclusivité, c'est pas toute partie qui botte à blanc et li manquer transparence. Préparation technique référendum non, fait face avec un pile retard sous plan opérationnel là. En plus de ça, gon division qui a augmenté dans mitan politiciens haïtiens yo. Youn nan preuve yo, c'est appel quelques politiciens lancés par peuple là, ça pas gain longtemps pour mander le servir avec zak violence pour empêcher référendum en fait. Ça qui baille go qu'est sauté. Tout parti concerné yo doit mettre de l'eau dans du vin yo, éviter parole piment bouc ça yo. Toute forme de violence ou encouragement pour moun faire violence inacceptable et moun ta doit condamner ça avec toute force. Dans moment Haïti a préparé pour l'entrée dans un nouveau cycle électoral, un processus inclusif avec participation tout monde a essentiel pour renforcer progrès sur route bon gouvernance là avec stabilité dans pays là. Sous point ça justement, débat qu'a fait sur référendum constitutionnel là, pas ta doit détourner attention responsable pour oublier nécessité pour organiser à temps élections législatives et locales qui te doit dérouler depuis longtemps déjà sans oublier élections présidentielles yo. Un consensus politique était moyen plus possible là pour lancer un processus pacifique qui va permettre peuple à exercer totalement droit de vote li. Li absolument important pour toute leader politique et tout dirigeant société civile là entrer dans un dialogue en toute bonne foi et une façon constructive pour chercher joindre un moyen pour garantir que élection déroulée avant fin année ça de quoi pour un transfert démocratique et ordonné pouvoir nan main un leader élu capable fait en février 2022. Bon côté pal, diplomate américain prend la parole dans ces circonstances-là, ambassadeur Jeffrey De Laurentiis, reconnaître que le gouvernement haïtien fait quelques efforts, mais d'après lui, gagne un pile travail qui était pour autorité au fait toujours. We believe that the government of Haiti has not sufficiently focused on addressing Haiti's most urgent priorities. Nous croyons gouvernement haïtien pas centré attention assez sous travail pour poser problème pressant Haïti gagne yo tant qu'organiser élection parlementaire qui t'a capable mettre fin dans période actuelle là côté président Moïse a dirigé par décret. Nous notons avec appréciation effort gouvernement développé pour inscrire électeurs, mais il y a plus de bagailles qui doivent faire toujours. Les États-Unis ont encouragé plusieurs fois, ni gouvernement haïtien, ni l'autre parti concerné, pour créer les conditions nécessaires pour déroulement élections législatives et présidentielles libres et honnêtes avant fin d'année. Puis récemment toujours, les États-Unis ont fait partie d'une délégation, organisation État américain, qui a visité Haïti, sorti dans la date 8 pour arriver dans la date 10 juin, pour nous discuter sous impasse actuelle avec le gouvernement et pour nous rencontrer avec leader opposition, avec société civile là sous crise là. C'est avec impatience que nous rapport OEA et nous pourrons continuer à suivre l'évolution de la situation avec l'OEA, l'ONU et la communauté internationale. Là. Tant qu'on dit ça plusieurs fois déjà, le peuple haïtien mérite une opportunité pour l'élu gouvernement et pour rétablir l'institution démocratique pays. Seul moyen pour pays à sortir dans un régime qui est dirigé par décret, c'est organisation libre et honnête. Élection législative, de quoi pour Parlement haïtien capable recommencer jouer rôle constitutionnel. Une membre assemblée constituante qui t'est rédigé constitution 1987 là, madame Chantal Evald Udikou, t'est participé dans session 1 pour te bailler opinion sur processus qui en place pour organiser référendum non et pour élection déroulée pita année ça en Haïti. In terms of the security situation, the current socio-political context makes it very difficult. Pour ça concerne la situation sécuritaire, contexte sociopolitique actuel là, fait vin très difficile pour ne pas dire impossible pour moun participer dans aucun type processus électoral. Puis go ka sauté moun yo d'après avoir puis fòm moun yo c'est pauvre, ces problèmes yo gagnent pour satisfaire besoin de base yo avec besoin de base famille yo. Moun yo a vivre avec ka sauté, c'est gang qui fait la loi.
kidnapping, vol, viol et toute qualité d'autres crimes représentent une menace pour nous. Personne pas exempt. Habitants quartier qui pipovio, koto joue une population avec une densité très élevée, ses principales victimes situation ça. Zone urbaine yo, qui situé pour plus fort sous partie ouest Port-au-Prince et sous colline qui alentour yo, et puis entre l'est, nord avec sud Port-au-Prince, toute zone ça yo trouvé yo en bas contrôle gang. Vallée la Tibonite là, qui c'est une zone agricole très important, trouvé en bas menace gang yo. Une situation qui a duré depuis 2 ans déjà. Insécurité avec violence, déranger déplacement population en différentes zones dans Port-au-Prince et puis entre Port-au-Prince avec l'autre ville. Même pour un employé à le travail, c'est un risque qu'il prend chaque jour. Compagnie obligé de fermer porte parfois à cause d'activité gang. Palais justice Port-au-Prince là, situé dans une zone dangereuse parce que les non-quartiers qui en bas contrôle gang. Malgré demande répétée barreau avocat Port-au-Prince là avec pouvoir judiciaire, gouvernement refusé de placer ni garantie sécurité nécessaire dans zone non. Dans 2 ou 3 mois que passé yo, la guerre en gang rival dans Cité Soleil avec Matissan coûtait la vie en pile moun, tandis que gen en pile l'autre qui blessé. 2 élèves l'école qui étaient dans classe terminale te prend balle dans Cité Soleil dans l'espace de 1 semaine seulement. C'était reportage nous sur rencontre qui déroulait jeudi 17 juin 2021 dans le Conseil Sécurité Organisation Nations Unies dans New York sur situation dans le pays d'Haïti. Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci un peu Lionel pour le reportage ça et n'absolument tous les téléspectateurs qui suivent nous en direct sur page Facebook, nous pas citer non, pour éviter jalousie. Dans l'autre nouvelle, un groupe haïtien dans la diaspora manifesté vendredi passé devant local Nations Unies à New York pour dénoncer sécurité en Haïti avec présence du président Jovenel Moïse qui se pouvoir malgré mandat fini depuis 7 février 2021. Sabine Philippe, une membre comité organisateur à quoi, communauté internationale là, joindre et comprendre le message là. Le message a été très bien passé. Premièrement, avant même que nous étions à New York, nous avons déjà livré le message dans la boîte. Nous avons recevé le message dans l'email. Donc, nous étions très imbus de ce qui s'est passé. Quand nous sommes arrivés à New York, nous avons un paquet de presse locale, c'est-à-dire de presse haïtienne, qui a fait des placements non seulement d'Haïti, mais de tout État qui est venu. Donc, nous avons couvert vraiment depuis le début jusqu'à la fin. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Baïs a relayé directement. Et en Haïti, on connaît toujours d'ailleurs de l'ambassade, de mission, de tout diplomate ça qui est en Haïti, donc il y a tap gade, fait juda, for sure. Donc, message a été passé. Le fini, en plus, moi-même personnellement, me portais document devant UN, arrivé un employé qui t'a dit qu'il a fait livraison et dans le bureau et qui était concerné dans la question. Donc, message a définitivement passé, toute la rue a. Et t'es un message là, nous t'es étrangers qui t'a filmé, nous t'a passé, nous t'a appris ça, t'es un like, c'était là. Donc, message là, fait vous li, et nous très, très satisfaits avec tout ça, t'es arrivé dans New York et vendredi dernier. Donc, Sabine Philippe, t'es 2 manifestations. What next? Ça n'a pas tant qu'on y a là. Bon, eh bien, mon cher, Mamdouke, on a continué pression jusqu'au bout. Nous ne pas baisser les bras jusqu'à ce que nous joignions résolution dans la demande que nous faisons. Donc, premièrement, il est clair que, de facto, le gouvernement clair, fort qui baselle, à tout référendum. Donc, on a demandé la communauté internationale qui est responsable, qui est mettée et dans tel pouvoir pour venir chercher, courir embarrassant, puis à la veille à tout référendum. Le film est à prendre en condition rapide, rapide, avec des mots sérieux, des mots compétents, des mots qui aiment les yeux. Que nous pouvons mettre tête ensemble avec vous, nous qui en Haïti, avec la diaspora, pour coller tête ensemble, mettre les mains dans la main pour nous arriver à un consensus qui est bon pour le pays. Le fini, nous demandons une assistance, nous ne parlons pas d'ingérence, nous demandons une assistance pour la police haïtienne capable de joindre un concours avec experts internationaux pour nous capables de démanteler banditisme, gangs qui sont dans le pays, qui ont fait la peureuse, qui ont fait le pays bloqué, nous ne pouvons pas vivre dans le pays. Et puis, bien entendu, nous attendons les résolutions, donc nous continuons pour parler et puis nous regardons. Jean, nous suivons l'actualité dans le pays d'Haïti, nous avons dit ce qui passé, nous avons dit comment les nègres armés contournent ces deux zones, nous sommes obligés de courir à le cacher, à le prendre refuge de l'autre côté, etc. Qu'est-ce que nous-mêmes dans la diaspora, nous vivons ce moment-là?
Eh bien, mon cher Mambou, nous très attristés et nous très déconcertés par ça. C'est pour ça que nous continuons à doubler ça, nous renforcer l'énergie nous pour nous capables d'aller plus vite, pour nous essayer d'apporter une solution à un problème d'insécurité, ça, avec problème pays bloqué, ça, avec pays qui n'est pas à l'enquête côté.